Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc dans la suite de ce playthrough consacré à Fallout 3. Donc nous étions quittés précédemment sur la récupération de la déclaration d'indépendance. Et comme je l'avais plus ou moins évoqué, voilà, je souhaiterais aller dans deux autres, plusieurs différents coins, plus ou moins en rapport avec des quêtes annexes, mais qui restent un peu en grisé sur ma carte et ça m'énerve un peu. Donc voilà, donc j'aimerais avancer sur ce point-là et également finaliser cette partie de la quête, c'est-à-dire réparer. Donc j'ai fait monter mes compétences en explosif et je tente de désarmer la bombe. Félicitations, vous avez désarmé la bombe. Ah, Arden. Ah, bonjour. Très bien, bah Lucas Smith est mort. Donc du coup, on va pouvoir en discuter au fiston. Bon, je sais pas pourquoi lui, peut-être tu as un remplaçant. Peut-être tu as un remplaçant un peu plus adéquat même. On va aller voir le petit. J'ai pas le droit. Vous avez réussi? Vous avez désarmé ce truc? Ouais. Mon père, il voulait vous donner ceci. La clé et le titre d'une maison inoccupée derrière le brasse-lanterne. Vous pouvez vous y installer si vous voulez. Ah bah voilà. Oh, et allez voir Moira aux réserves de Craterside. Elle pourra vous aider pour la décoration. Bon bah nickel tout ça. Bon bah ça fera l'objet d'un déménagement en off. Parce que bon, je vais pas vous imposer... Je vais pas vous imposer un déménagement de 50 millions de kilotonnes de stuff. Donc, prochaine étape. Prochaine étape sur ma carte. Donc ce serait la crèche de Dukov. Je sais qu'ici il y a un endroit aussi où je m'étais arrêté, j'avais pas voulu rentrer sous un pont. Je me demande si c'est... Enfin, je le rechercherai en off et je ferai peut-être une petite coupure pour le montrer. Donc l'idée c'est d'aller aux égouts tièdes. Par contre si j'étais à l'Anchorage Memorial, je suis pas sûr. Donc là j'arrive et hop, et super. Nos amis les fangeux, puis il y en a un paquet. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des mini-capsules. Une petite mini-capsule. Ah, puis ça court vite en plus, c'est merde. On peut pas prendre de risques. Pas vraiment défendu. C'est la version évoluée. Par contre, j'ai cru entendre. Oh, ok, c'est l'iBot. Oh, c'est le shoot qu'il a mangé, l'iBot. Vous avez pu le voir, ça pique un peu. Putain. Ah. Donc ouais. Donc une petite entrée en matière. Pas piquer des hannetons comme dirait l'autre. Bienvenue en 1930. Une petite expression bien sympathique. Ceci n'est pas piquer des hannetons. Bébé fangeux. Putain, j'ai des bébés fangeux, c'est cool. Ça me permettra d'en mettre un peu de vie. Stop. Keep your weapons all straight or get shot. C'est quoi ici? Porte en métal vers crèche de Dukov. Et bah voilà, on est ici chez Dukov. Fusil d'assaut. Qui a affaire à qui là? Laisse tomber, t'as besoin d'un verre. Cherry, on crève de soif ici. Qui sont ces filles? Où sont leurs fringues? Ce sont mes copines. Il se fait plaisir. Une seule fille ne me suffit pas. Il m'en faut deux. Je les épuise toutes les nuits. Si elles s'habillaient, il faudrait que je les déshabille. Alors ces filles sont juste des putes. Hé, hey, fais gaffe à ce que tu dis, pompe de clown. Je ne les paye pas. Elles s'occupent de moi et je m'occupe d'elles. On se frotte la couenne toute la nuit. Qu'est-ce que vous faites ici tout seul? Bouffer, péter, boire et baiser. Ici, personne ne m'emmerde. Je peux faire ce que je veux à qui je veux. Ok.
Dis que vous pourriez connaître un monsieur Crowley en commentaire. Il est tout ce qu'il y a de mort, voilà ce que je peux te dire. Des ghouls sauvages lui ont arraché les couilles pour les bouffer. Où est-il mort? Un trou perdu appelé Fort Constantine. On a tous bien morflé. Où se trouve le Fort Constantine? Il faut un jeu de clé spécial. Comment vous êtes-vous rencontrés tous? Ben Penny nous a engagés comme mercenaires. Il voulait un putain de flingue. Je sais pas comment il a fait pour engager Crowley. Ten Penny déteste les ghouls. Alors c'était juste Monsieur Crowley et vous? Non, pompe de clown. Attention, Ten Penny avait engagé toute une équipe. Strayer, Crowley, Tara, Dave et moi. Oh, oh, Tara avec ses Robert. Oh mon dieu, je m'en souviens encore. Ce fort l'a bien baisé, plus que moi. Ensuite, ceux qui restaient sont partis chacun de leur côté. Ok, je crois que je ne peux pas. Tant mieux. Je crois que je vais plutôt aller claquer mes couilles au cul de chérie, ouais. C'est sympa. Je ferais mieux de partir. T'inquiète. On va régler ça rapidement, bonhomme. Putain, c'est sympa chez toi. Hein. Et ta tête! Oh, ça a tellement fait boum dans sa tête. Merci Jude. Ah, ce sera pas une grosse perte pour l'humanité de toute façon. Ah bon, il a genre... C'est clair, ça me fait perdre un peu de karma, mais bon, je m'en fous un peu. Oh là là, regarde-moi ça. Le karma, le karma, le karma. Oh l'argent. Cette petite musique. Ok. Je crois qu'on les a repoussés. Quoi que ça ait pu être, ça a filé maintenant. Je me casse. À mon avis, tu ferais mieux de rester ici et de profiter, quoi. Ah, est-ce qu'il y a des choses, à voler d'intéressant ici? En gros, c'était un bordel, quoi. Votre karma a diminué. Je sais pas si ça le diminue vraiment beaucoup, faudrait que je regarde. Oh, j'ai pris de la merde. Tout ça pour ça. Ok. C'est nettoyé, je crois. Je crois que ça ait pu être. Où ça? Cours, 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 je vais te tuer, je vais te tuer! Je tue pas les femmes. En tout cas, pas celle qui m'attaque pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voler ici? Putain, mais c'est quoi cette femme? C'est top, ouais, c'est vraiment un putain de bordel. Le mec était complètement ch'tarme, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Ouais. Il y a un géant. Ouais, ça m'intéresse pas trop. Faudrait avoir une autre, quand même un autre type de littérature chez nous. Allez, je crois que ça n'était rien. Ah, du jet en veux-tu, en voilà par contre. Je crois que ça n'était rien. Ok. Je me casse. Oh, bouteille, bouteille, bouteille. C'est pour s'amuser peut-être. Regardons s'il n'y a pas des livres en bon état à refourguer aussi. Je me casse. Ouais, casse-toi. Une capsule. Ok, ok, ok. Bon. Donc, voici la crèche de Dukov. Dukov. Dukov est mort. Dukov est triste. Oh mon dieu. Je peux voler la cigarette, mais je peux pas voler les têtes. Bon, bah très bien. Écoutez, pour moi ici, c'est réglé. Divers, tac tac tac, carte. La crèche de Bukov, c'est réglé, très bien.
Donc on a dit d'autres endroits où j'ai pas été encore. J'ai fait okay, l'enceinte des Rangers, Statesman Hotel. Bah écoutez, je peux faire ça. Je vais aller à l'enceinte des Rangers. Ah, je les ai mis à proximité. Où sont les ennemis qui m'empêchent de partir? Ah. Pardon, mais c'est par là. Oh putain, des rats de cafards en plus. De cafards qui m'empêchent. Ok, ça devrait être bon. Bon, changement de musique, c'est pas bon. Je confirme, c'est pas bon. Pof. On va prendre la mitraillette puisque j'ai cru voir du super mutant. Oh l'enculé. Là ça pique. J'en ai tapé. J'ai plus de vie. Ok, c'est pas grave, je peux gérer. Je peux gérer. Le coup de... Putain, le coup de... Comment ça s'appelle? Coup de missile dans la face. Tiens, il m'a bien fait mal. Je peux le prendre. Souvenir au Steam Pack. Terme de terme, ça passe. Très bien, bon. Ça va bien piquer le coquille. Donc on a dit l'enceinte de Rayleigh, de carte du monde. C'est bloqué. Pas trop chou ici. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir, pauvre fou. Vous aimeriez savoir, mais je suis le seul. Il n'y a que moi, que moi, que moi. C'est qui ça? Faites-le taire, je vous en supplie, faites-le taire. Pourquoi ne pas aller voir la raison de ces hurlements? Non, pas question. Il va tout faire sauter si je m'approche de lui. Bon allez, il y a moyen de le raisonner, il faut lui parler. Oh, eh bien, vous avez l'air de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Tu vas mourir, je pense. Si vous le dites, je vais essayer. D'accord. J'y vais. Oh putain! C'est bon ça! C'est qui ce barjo là qui tout fait péter comme un connard? Ah, les Rangers de Rayleigh. Ok, on y va. Ton du fou, là, qui a tout fait péter. Il y a
nous y voici dans l'enceinte des Rangers. Est-ce qu'il y a des choses éventuellement à aller chercher ici? Je connais le mot de passe. Déverrouiller. Pas dans les terres du Ray. Ici, Frida sur GLR. Quatre portes, trois portes, quatre portes. Et l'eau qui coule. De la munition. Grenade, Alex. Ça, ça peut servir. Encore une fois, je prends de la dope, mais je l'utilise vraiment très rarement. Fiente de chien. Là, bon, c'est bon, apparemment. Ok. Vide. Ferraille, c'est plus ça. Non. Ça, c'est de la ressource de bouffe. Pistolet de la peinture, j'en ai chié. Ouais, ok, très bien. On a l'air vraiment d'être tous morts en fait. Terminal de Raven, ça va pouvoir jeter un coup de l'épreuve. Putain, la radio pour éviter. Tout m'embête par la suite, malheureusement. Il n'y a rien d'autre. On va aller voir ce qu'il y a dans le terminal. Liste des personnels actuels. Crayley, fichier nom de Brick. 50 capsules par mission, ok, d'un excellent moment pour les Rangers. Je trouve que sa soif de destruction est un atout plus qu'un inconvénient. Elle est fiable et calme sous le feu, mais un peu impatiente lors des phases de préparation de mission et de débriefing. Bref, c'est un guerrier. Butcher. Butcher est un élément important du groupe. Il est capable de prendre des décisions rationnelles et logiques, même dans le feu de l'action, ce qui en fait la personne idéale en tant que commandant en solo. Son moyenne est susceptible de s'améliorer. Il fouille chaque hôpital et clinique que nous visitons afin d'accroître ses connaissances. La réalité Rangers ne fait aucun doute. Donovan. Mon contact au sein de la confrérie de l'acier, c'est un vrai magicien en matière de réparation des armes à feu et des armes qui nous sache plus sur les systèmes électriques, hydrauliques, etc. Afin de nous aider à venir à bout des obstacles que nous rencontrons souvent dans les ruines, avec le temps. Peut-être encore un moment pour en juger. Et Théo. Théo est le dernier ranger en date, il tient le rôle d'intendant enceinte, il occupe tout notre matériel et transporte. Bon, pas bien. Pas de nouvelles d'informations fracassantes, on va dire. Ah bah ok, bon bah j'ai fait le tour. J'ai déjà fait le tour. Je suis descendu à gauche, bon. Donc ça c'était les Rangers, très bien. Ceci étant fait, on va aller maintenant au Statesman à Vernon Square. Ah, je vais vraiment essayer de balayer finalement toutes les quêtes annexes. Garder les modes pour la fin, pour la dernière mission. Et puis en avant, en avant. Ou encore rouler jeunesse. Donc là, ce que je vais faire, je vais plutôt mettre la quête aux heures de Rayleigh. Non, même si c'est pas. Non, ça c'est pas les Rangers de Rayleigh, ça c'est là. C'est la quête. C'est bizarre moi aussi.
je m'entends. Ah, il doit être en haut, je pense. Comment ça se... Bah, c'est à côté de la bagnole qui va faire boum. Là, il doit être par là. En tout cas, ce serait logique. Il est là. Est-ce que je peux monter un peu? Ouh, ça pique. Aucun truc. Ça reste un peu de temps. Celle-ci était belle. Faut le laisser tirer. On a juste... Donc c'est un mutant, hein. Ça tire, mais ça réfléchit pas trop. Donc là, je suis plutôt bien à distance comme ça. Ils sont maîtrisables, surtout avec une arme automatique, il y a beaucoup de dispersion. On va dire que ça passe. Ensuite, est-ce qu'il y a des choses à fouiller là-dedans ? Je peux monter. Monter, Jacques, c'est au pont. C'est pas mal ça. Petite position dominante. Voir un peu ce qui se passe, pouvoir aligner les pas beaux. Tac 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 tac, carte. Donc, j'ai ici. On a vu, c'est calme. Je regarde si il y a des trucs à fouiller rapidement comme ça. Bon, pardon. Par contre, il y a du méchant. Ouh, dans le pied, ça pique. Mais par contre, il doit tirer au. Ouais, je sais à quoi il tire. Ça, c'est pas ce que je préfère. Voilà, en fait, là. Lui, je suis dans sa ligne de tir, dans sa ligne de mire. Mais. Faire gaffe quand même. Ouais, plus je peux éviter le combat, l'esquiver, plus je le fais, hein. Y a pas de... J'ai pas de super armure, je suis pas un brave dans l'âme. Donc faut savoir se servir de ses atouts. J'avais cru en voir 3. Oh putain. Bien, parfait. Hop. Bah finalement, il y avait quand même 2-3 trucs à fouiller. Oh. Oh, putain. Parfait tout ça. Bon, c'était une planque de... C'était une planque de raiders ici. Ah, ok. Il est bien. Moi aussi. Je peux monter là. Enfin, moi je pense à réparer par contre mon fusil de sniper. Ça lui ferait pas de mal. Bon, bah très bien. Je suis pas descendu pour rien, moi. Ouais, c'était pas un camp de... C'était pas un camp de... Comment ça s'appelle, là, de... De super mutants, ça. On a bien vu, avec des coffres et tout ça, les super mutants, ils s'en foutent un peu de genre de trucs.
des chiottes. On va fouiller les cadavres. Ah non, je me suis trompé, je pensais qu'ils étaient au minigun. Ah, un cinéma. Quel différent point d'intérêt, comme on peut le voir. Oula, là, il y a dû y avoir une bombe qui a dû tomber ici, je pense. Oh putain. Mauvaise idée. J'ai de la grenade frag, parce que je pense qu'il vaut mieux. Ah merde, putain! Oh putain. Oh putain. Oh putain. Bon, maintenant on arrête les conneries. Ça s'en fait deux. T'es mort. Trop long, attaque. Oh, putain, il était pas là lui tout à l'heure. Hein. Si je bouge pas, tu vas me tuer. Ah, mais c'est n'importe quoi. J'ai envie de le finir à la main. C'est pareil, ça. Ah. Je crois qu'il y a un petit retour de Windows qui n'a pas été voulu. Ah, je sais pas ce qu'il y a. C'est pas un frag qui a pris. Exploration. Un petit campement. On récupère des trucs. Bon, généralement la munition, je prends tout. Merde. Ah putain. Ah d'accord, ok. En fait, c'est à chaque fois que je fais ça, parce que j'appuie en même temps. Voilà. Je sais pas pourquoi. Tac tac tac. À part un skill, mais là c'était tellement épique cette explosion que. Waouh! Juste waouh! Ouais, du coup, je vais prendre un peu de vie. Oh putain! Je m'attendais vraiment pas à une explosion comme ça. Bon, du coup, c'est très bien tout ça. Hein. Ça me fait gagner de l'XP, de nouvelles armes. Tac, 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 tac. Donc là, on va continuer à pousser, à ma foi. Ouais, c'est vrai que là, je peux pas. On a fini de chasse. C'est tellement fait boum. Fusil actif désarmé. Ok, on
je devrais être en mode. Ouais. Est-ce que potentiellement. Parfait. Ah oui, c'est de la micro-gestion de réparation. Et mine de rien, la réparation, ça permet quand même de pouvoir gérer son stock assez efficacement. Surtout si vous le couplez à cette. À la possibilité, c'était déjà mieux ici. Vernon Square, ah ok, autant pour moi. Avec le talent là, qui permet d'augmenter un peu vos reins et votre capacité à prendre des éléments. Siège de Voltec. Oh putain, il y a des trucs de fou à visiter aujourd'hui. Bah écoutez, je pense que je vais faire un petit stop ici au siège de Voltec. Et on va aller voir ce qui s'y passe.